Bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection de levain chef en 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 11e jour. Aujourd'hui, on va rafraîchir le levain comme tous les derniers jours, mais dans une deuxième vidéo, on va faire un premier pain, une focaccia. Pour la focaccia, je vais vous suggérer deux grilles d'horaire. La première prévoit un rafraîchissement de notre nouveau levain chef vers 22h le soir et la préparation de la pâte, le pointage, le façonnage, l'après et la cuisson durant la journée de demain. La deuxième prévoit le rafraîchissement de notre levain chef vers 19h ce soir, la préparation de la pâte, le pointage et la mise au frigo de la pâte demain soir, le préfaçonnage et le façonnage de la pâte au lever le lendemain, puis la remise de la pâte au réfrigérateur jusqu'au soir, et enfin la cuisson le soir. J'ai fait ces deux horaires pour accommoder tout le monde. Avant de procéder au rafraîchissement du levain, on va quand même le sentir, on va l'examiner, le remuer et enfin le rafraîchir. Alors c'est parti. Bon, alors on va le sentir. Il est très beau. Ah, il sent fruité, il sent vraiment très bon, ça sent le fruit. Il est très, très beau. Alors, aujourd'hui, il va falloir garder le levain. Donc, on va retirer 75%, mais on va le garder pour faire le premier rafraîchissement de notre nouveau levain chef pour le pain. Alors, ce qui reste, c'est à peu près ça. À peu près une cuillère à soupe et demie, deux cuillères à soupe. Pas plus. Donc, là, je vais mettre le couvercle dessus, là-dessus. Et on va ajouter 60 g d'eau et 60 g de farine. J'ai 62. En diluant le levain, on va essayer de racler le bord pour voir si tout ce qui est séché, on ne peut pas aller le récupérer. Voilà, donc on va ajouter de la farine. Oups, là j'ai mis 5 grammes, donc il faut que je dispense, j'ai oublié de mettre à zéro. Donc c'est 53 finalement, il faut que je mette. C'est 55, excusez-moi. Donc, ça fait 60 parce que j'ai mis 5 de plus. Dans les lectures suggérées, il va y avoir les textes pour le rafraîchissement sur un levain, sur deux levains et sur trois levains. Donc, vous allez comprendre un peu plus comment le faire. Voilà, on va ajouter une nouvelle pellicule plastique. Alors, ce que je vais vous suggérer pour le pain, la focaccia, compte tenu du fait que ce n'est pas les mêmes quantités selon l'horaire choisi, je vous suggère de le faire vous-même, de le mettre dans un pot et de mettre la quantité de levain chef que vous avez tiré ici, une petite quantité, vous allez voir, c'est quand même pas beaucoup.
Et ensuite, vous ajoutez l'eau et vous ajoutez la farine, vous brassez comme il faut et vous laissez ça à la température de la pièce. Donc, on se revoit pour la confection du